LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, Première Mutuelle Santé Française, présente État de Santé. Chaque année en France, le VIH contamine plus de 6000 personnes, et ce malgré les nombreuses campagnes d'information et de prévention. Kevin, il a été touché en 2005, ça s'est passé le premier soir où il n'a pas mis de préservatif. C'est comme si on m'aurait appris pendant des années qu'il ne fallait pas jouer à la roulette russe et qu'un jour, pour une raison complètement inexplicable, je m'amuse à essayer ce jeu-là et du premier coup, je perds. Pour se soigner, une seule solution pour l'instant, ce qu'on appelle les trithérapies. Car malgré des efforts considérables en matière de recherche depuis 1983, il n'y a toujours pas de vaccin. Avec le VIH, on a des défis qui sont tout à fait particuliers, qu'on n'a jamais rencontrés. En fait, on court toujours derrière cette infection, on contrôle les choses, mais il y a encore beaucoup de défis devant nous. Le dépistage, c'est une arme essentielle dans la lutte contre le sida. Sachez que plus de 36 000 personnes en France ignoreraient qu'elles sont porteuses du virus. Il existe à Paris deux centres expérimentaux qui proposent des tests à réponse immédiate. Je vous picote sur le côté. Ça va ? Ouais. Il y a des personnes qui sont venues là, peut-être déjà plusieurs fois également, qui en tout cas sont beaucoup plus ouverts à ce genre de test avec un résultat dans la foulée, que plutôt aller ailleurs et revenir une semaine après. Sida, la lutte continue, c'est le thème de ce nouveau numéro d'État de Santé.